The following announcement has been paid for by the New World Order. You know who I am, but you don't know why I'm here. What's going on here? Alors, vous allez le relever, le défi de Screwball? J'ai aucune idée de ce que c'est. Comme tout le monde, c'est ça qui est bon. Prenez une photo du code QR sur le mur et ça démarre. Simplissime! C'est pour les démunis. Bon, pourquoi pas? C'est bon. SM, tu as accepté le défi. Bienvenue sur ma chaîne. Grâce à ta participation, le nombre de vues est en train d'exploser. Voilà comment ça marche. Le code QR que tu as pris en photo t'envoie les coordonnées GPS d'un autre code dans les environs. Bon, j'ai l'impression que ça risque de s'éterniser. Désolé, hein, mais des gens ont besoin de moi. Justement, en parlant de ça, celle-là est pour une bonne cause. Une en particulier. Le tout dernier code te révélera l'emplacement. Tiens-toi bien. D'une personne kidnappée. Hein? Eh oui! Ça pimente un peu les choses. N'est-elle pas parfaite? Piégée, en danger. Va-t-elle mourir de faim? Étouffée? Pas de temps à perdre. Internet te regarde. Tada! Eh ben, ça part en vrille. Elle est complètement folle. Mais je dois jouer le jeu. Voilà le code à flasher. Ça commence à se compliquer. Internet.
c'est bon. Oh, tiens. Salut à tous mes fans, dont certains arrivent tout juste et rejoignent Spidey en direct. Ouais. Est-ce que tout le monde est devenu dingue? Je profite du spectacle pour vous lire quelques messages de mes fans. Bagain 3. Déchire, Screwball. Tes vidéos m'ont aidé à tenir quand j'étais en toule. Oh. Spicy Dan. J'étais PCDR quand t'as balancé cette tarte à Jonah Jameson. Merci, Fancy Dan. Moi aussi. Désolé, vous auriez dû vous en tenir au défi débile d'Internet. Je suis désolée, Spidey. J'y peux rien si mes fans s'impliquent personnellement. Ils sont à fond. Hashtag passion. Tu viens vraiment de dire hashtag? C'est presque aussi criminel que le kidnapping. Lâcher le code devrait t'envoyer les coordonnées GPS du prochain lieu. Dépêche-toi, notre ami est seul et... Oh, c'est triste. Spider-Man, quand je vous ai vu avec Octavius aux infos, j'ai cru que vous étiez mort. Heureusement que je me trompais. Voilà le code. Et il est en deux parties. Bon, ça va demander un peu de finesse. C'est bon. Ça
n'a rien d'officiel, mais on m'a dit que certains de mes fans ont décidé de te faire un petit cadeau. Je crois qu'ils ont envie qu'ils t'éclatent. Tu ferais mieux de vite les ramasser, quelqu'un pourrait te blesser. L'adresse est pas loin d'ici. Il faut que je me dépêche. Vous m'entendez? Bougez pas! Je vais enfoncer la porte! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Spider-Man, merci mille fois! Pour les millions de clics que j'ai reçus! Wouh! Screwball! Incroyable, non? Si tu voyais la tête de ton... espèce de paire de lunettes chelou! Oh tiens! Encore des fans à moi! Screwball! Officiellement, je cautionne pas ce genre de choses. Alors dis-leur d'arrêter! Enfin un vrai combat! Allez bien! Hé! Hey, redescends un peu! Ce super pouvoir, c'est pas juste! Après tout, c'était mes fans! Elle a pas tort, ça va être compliqué de faire tenir les charges. Eh, j'ai beau être un héros araignée, j'accroche pas du tout à la toile. De ma vie. Ça
certaines personnes m'ont accusé d'être négatif, de me contenter de critiquer Spider-Man sans proposer de solution. J'en ai une de solution, et elle est vraiment simple. Enlève ton masque, va à l'école de police, porte un insigne. Là, tu pourras attraper tous les bandits que tu veux. Et je chanterai tes louanges dans ce même micro. Et toutes ces bêtises comme quoi ça mettrait ses proches en danger. Arrêtez! Vous n'allez pas me dire qu'il y a des gens qui apprécient ce type! AS-47, répondez. AS-47 est hors ligne. Que quelqu'un confirme sa position. Je m'en occupe. Centrale, j'entends quelque chose. Je vous tiens au courant. Je vais voir sa dernière position. Centrale, présence potentielle de Spider-Man. Un agent a disparu. Éliminez-le! Thank you.
Il en reste plus. Voyons ce qui manigançait. Capitaine, les types de sable ont apparemment expulsé tous les habitants d'un immeuble pour en prendre possession. Et ils ont coffré les récalcitrants. Ok, je devrais pouvoir faire quelque chose. Mais il faut qu'une victime accepte de témoigner. Je vais les libérer. Et je vais faire en sorte qu'ils portent plainte. Ennemi confirmé, c'est Spider-Man. Attendez-le. Mais alors, quand vous étiez petit, vous disiez « Quand je serai grand, je serai un oppresseur fasciste !» Ouais, ça m'étonnerait pas. Qu'il y a de vrais criminels dans la région. Spider-Man, vos doutes étaient fondés. Les personnes expulsées dorment dans des refuges ou directement dans la rue. Tu sais ce que ça fait d'avoir nulle part où aller? Ces agents de sable ont de la chance de porter des protections parce que je risque de perdre mon sang-froid. Attaqué par des agents de sable. Hé hey. Ah oui. Ah bah non. Oh!
Y'a encore du monde ? Vous savez, pour un prestataire privé, je vous trouve quand même sans gêne. Allez, ouvrez-moi. Je pensais pas que ce serait si long. Un pur cauchemar. Oh, merci, Spider-Man. Capitaine. Les gens qui étaient détenus regagnent maintenant leurs appartements. Parfait. Et j'ai réussi à faire entendre au cabinet du maire que de mettre des électeurs à la rue n'était pas dans leur intérêt. Ça n'arrivera donc plus. Il paraîtrait que Fisk ait fait fortune en vendant ses épices. Elles sont bonnes, mais pas à ce point. Suite à de nombreuses demandes d'auditeurs, je vais enfin répondre à cette question que je pose depuis tant d'années. Spider-Man, danger ou menace ? Eh, voilà ! L'heure est venue. Je vais prendre position. Ma position étant... celle des deux ! Tantôt il est un danger menaçant, et tantôt il est une menace dangereuse, mais franchement, comment peut-on mettre les autres en danger sans être une menace? Et vice-versa! Et pour tous ces obsédés de la grammaire qui me taxent de redondance, je fais de l'art! Figure de style, c'est un procédé rhétorique! Et si ça ne vous plaît pas, je vais vous dire où pouvez-vous le ranger, le procédé! Mon stagiaire me fait signe que c'est l'heure de mes comprimés, ok? On revient après ça. Ici Centrale de Sable, tenez-nous au courant de la situation sur Museum Mile. Transport Romeo à la poursuite d'un groupe de fugitifs. Impec. Ramasse la patate.
centrale de sable. Dites-nous. Je sais, je suis un sale type. Côté à Yorkville. On a appréhendé un groupe d'agitateurs, des civils. On va se pencher sur les chefs d'accusation. C'est pas exactement ça, protéger et servir. À toutes les unités, les évadés pillent la nourriture d'un poste d'urgence. Jameson m'a donné ça à sa fête d'adieu du Daily Bugle. Je pensais que personne n'écouterait son émission. Comme quoi... Équipe de sable, ici centrale. Comment ça se présente du côté de la gare? Poste de contrôle sécurisé. Ne laissez pas passer Spider-Man. Can we please have quiet on the set?